à tous, c'est Revitolos, on se retrouve aujourd'hui pour le 13e, attendez, oui, 13e, je le note, le 13e épisode de Area 51. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode précédent? L'épisode précédent, on a continué de te fouiller un peu dans les tunnels, on a aidé un spécialiste, on a fait quoi d'autre? Eh ben oui, le boss, on a eu un combat de boss contre la grosse bébête qui nous avait tous défoncé. Il y a plusieurs épisodes de ça, quand on défendait une zone avec tout un groupe de soldats, qu'ils nous avaient tous défoncé, enfin que ça a été le début des grosses emmerdes, où on s'était fait mordre. Et on a été téléporté dans, alors à ce que j'ai compris, un vaisseau extraterrestre. C'est Edgar, une grosse chose moche, un espèce de mélange entre un petit gris, donc vous savez, des aliens de base, bah, comme il y a sur la petite image à chaque fois de la vidéo, et un fœtus. Je sais pas si cette comparaison est bonne. Enfin bref, on a découvert Edgar, il nous a dit qu'il fallait qu'on... que si on se bougeait pas le cul, notre race, les humains, allait être complètement dissoute. J'ai un peu de mal. Que dire de plus? Et qu'il fallait qu'on désactive la source d'énergie principale du vaisseau. Voilà où on en était. On est reparti. Let's go. Attendez que je cale ça. Voilà. Micro. Hop, c'est bon, on est parti. Super chargé, s'il te plaît, ça m'arrangerait. Voilà. Oh, photo de famille. Et ouais, les mecs, je suis un humain, moi. Allez. On est parti. Alors, oui, comme je disais à la fin de l'épisode précédent, on arrive à la fin. Là. Enfin, on arrive à la fin. Il reste un petit peu. Il reste quelques trucs à faire, je crois. Mais on arrive à la fin. On envoie le bout. Là, c'est fermé, c'est égo. D'accord. J'ai bien appuyé sur les boutons que je connais pas. Oh. Oh. Ah. Tête bosse. Matos humain. Je permets de scanner les trucs. L'être du suicide permet de scanner des trucs extraterrestres. La technologie extraterrestre. Hop, petite picouse. Allez, reparti. On va prendre de bonnes vieilles armes à nous. Comment dire? On est dans la merde. La porte est fermée, on n'a plus de vie. Taillot! Par hasard, c'est pas des ascenseurs, ça? Non, c'est pas des ascenseurs. Pour ça. Alors, premier, il doit y avoir un truc à activer, je pense. Comment c'est déjà le bordel? Il me semble qu'on peut les péter. Ça doit être avec le canon JB. Ah oui, d'accord, système de sécurité oblige. Qu'est-ce que c'est, merde?
Leur système de paris. Bon, alors on va aller par là d'abord. Ne me demandez pas pourquoi. Ah merde, je sais pas. Le code y va, oh, séché. Putain, c'est un vrai labyrinthe cet endroit. Oh, j'ai un truc activé. J'aime bien activer les trucs extraterrestres. Ça change. Oh, un truc à scanner, compte de nul. On va charger ça, parce qu'il a toujours pas, voilà. Mutilation de bétail. Il parle comme la légende. Qu'est-ce que c'est? Et attends. Coucou. D'accord. On avance. J'aime pas ça. Mais d'une force. Est-ce que vous croyez qu'on peut tuer un... une connerie. La musique techno me fait dire que j'ai fait une connerie. N'oubliez pas les enfants. S'il y a de la musique techno, vous avez fait le con. Comment dire qu'on est dans la merde? Bonjour. Dis-moi qu'il y a de la vie là-dedans. Oh yes! Je les aime, les extraterrestres. Les petits gris, avec leurs grosses têtes et leurs grands yeux noirs. Autopsie humaine. D'accord, donc en fait ils ont créé en masse. Pardon ? Qu'est-ce que c'est ? Cool. Mais encore mieux. Alors, avançons. Putain, elle est déjà 10 minutes sans déconner, ça passe à une vitesse. Je me rends plus compte maintenant. Ah, l'ascenseur. Point de contrôle, expérience et tout. Oh.
tellement classe. Détruire un bouclier et fait le gris. C'est une offensive. Ça a eu quelques petits pouvoirs de perception et tout ce que j'ai rien. Second boss du jeu au bout de des heures et des heures sans déconner. C'est mal géré. Enfin vous me direz c'est mieux que d'avoir 37 boss. Comme dans The Evil Within où t'as un boss presque fin de chapitre. Presque toutes les fins de chapitre, je viens de vous. Je peux chasser ça là. Ils ont nos Je me souviens de cette partie là. Oh, c'est la galère. J'ai des balles de pompe. Pas de quoi péter trois pattes à un canard. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vrai. J'ai
par contre ça décrit, ouais. Vous avez pas des munitions pour ça d'ailleurs. C'est génial comme truc. Allez, niveau munitions, c'est un peu la galère. Là. J'ai pas besoin d'activer ces deux-là. Si, j'ai besoin d'activer ces deux-là. Génial. Passer sans trop d'accro. Oh, c'est sérieux. Ah, j'aime beaucoup. Ah, bah, j'ai munitions, je vois un coup. Là. Oui. On ressent un certain calme en présence de ces extraterrestres, mais ce serait pure folie de leur faire confiance. Ils aiment parler par gestes. Moi, j'ai plutôt envie de leur parler le langage de ce canon. Descendre. On reconnaît bien la brutalité des humains. Ouais. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour l'épisode 13. On arrive à la fin. On arrive à la fin. Bon, sur ce, je vous invite à mettre un petit like sous la vidéo. Me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo et de la chaîne en général. Et de vous abonner si c'est pas déjà fait, bien sûr. Allez faire un tour dans la description de la vidéo. Il y a trois liens. Les trois liens habituels, c'est-à-dire la chaîne YouTube. Enfin, la page Facebook de la chaîne. Je vais y arriver. J'ai du mal sur cet épisode. J'ai beaucoup de mal. Donc oui, la page Facebook de la chaîne, la page Facebook de Zawam qui est graphiste et la page Facebook de l'organisation West Games. Sur ce, ciao.